Imagine, dans cette situation, je vais te montrer l'agresseur agressif qui va enlever une demoiselle, comment elle aurait pu se défendre. C'est parti. Là, voilà l'agresseur agressif, boum, il la met dans le coffre, bam, ok, il referme, et ciao. Ça, ça arrive, ça peut arriver. Donc je vais vous montrer comment les demoiselles, vous pouvez vous défendre contre ça. C'est parti. Ok, on va voir comment elle aurait pu réagir dans cette situation. Donc on a vu la première saisie qu'il va effectuer, c'est ça, d'accord? Il vient de chercher ici. Le premier réflexe, mesdames ou messieurs, peu importe, c'est de venir lancer un coup de tête sur le côté. Pourquoi ce coup de tête? Parce que rapidement, tu vas utiliser cette main pour la garder et cette main pour monter. Tu auras la force nécessaire parce qu'il y a un déséquilibre. Tu viens de mettre le coup de tête, tu t'attardes pas. Ici, tu places ta clé. Tu vois, ici, on a une clé et tu viens saisir soit l'oreille, soit les cheveux, soit le cou, ce que tu veux, et tu viens percuter d'un genou, tu repousses et tu t'échappes. Ok? On va voir ça avec Lily, tu vas nous montrer. Donc il arrive ici, il vient saisir, boum, coup de tête, passe dessous, c'est bien. Boum, coup de genou, ok, bien, super. Vous avez vu qu'elle a effectué une variante, le coup de genou, elle l'a mis plutôt au corps. On peut le mettre au corps, aux parties, à la tête. L'essentiel, c'est voilà, de neutraliser l'agresseur agressif et de s'échapper et de se casser. On se casse, les amis.